à Neder-van-Beek. Neder-van-Beek se caractérise par ses logements très nombreux, un quartier résidentiel développé, mais aussi par son patrimoine naturel assez méconnu. Le quartier de Neder-van-Beek est en partie isolé du reste de la région bruxelloise du fait de la présence de certaines barrières urbaines difficilement franchissables. Il s'agit notamment du canal, qui est longé par de nombreuses industries urbaines, qui crée une certaine barrière entre le tissu résidentiel habité et le canal. Ici, nous nous situons au sein d'un futur parc. Ce maillage vert est le socle du développement du quartier. Comme nous le voyons, l'école fondamentale à la croisée des chemins est déjà présente. D'ici peu, une école secondaire va venir s'installer juste en face. En plus donc de ce programme d'équipement, de services, la ville va développer des logements publics sur cette zone. Nous sommes situés ici, dans l'école fondamentale à la croisée des chemins. Cette école a été développée il y a quelques années et dispose d'un cadre verdoyant exceptionnel. Dans le sous-quartier Van Praat, il n'y a pas que la ville qui va réaliser des aménagements. Les privés également ont des projets. Le futur sous-quartier Van Praat permettra d'être une véritable jonction entre le quartier habité et le canal pour pouvoir se réapproprier ses berges.